5 c'est virtual synthèse pour je vide. et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour les 3000 abonnés, oui enfin <laughs> ça a été long, beaucoup plus long que de passer de 1000 à 2000. Et ouais. Et merci beaucoup, sérieusement, vous êtes super nombreux à vous êtes abonnés à HU Games, vids, ah, j'y arrive pas. Et ça fait super plaisir, voilà. Surtout que je, je m'éclate toujours autant à faire des vidéos. En plus, vous postez plein de commentaires intéressants la plupart du temps, donc c'est. c'est vraiment bien, franchement. Ça fait quoi Ça fait 4 mois, je crois. Il nous aura fallu 4 ou 5 mois pour passer des 2000 aux 3000. Ouais. Tout ça parce que. Euh, parce que plein de choses. Euh, mais avant ça, avant de couper la vidéo et d'aller voir plus loin. Je vous invite à attendre la fin de la vidéo, ou aller directement à la fin de la vidéo si vous voulez, parce que y a un petit truc qui va vous intéresser en fin de vidéo. Euh, quoi qu'il en soit, oui j'essaie, j'ai fait, fait un post-it, c'est la première fois que je prépare mes vidéos, c'est super. <laughs> euh, ouais, on... j'ai mis un peu de temps à faire la vidéo, je suis désolé mais j'avais plein de travail, pas trop le temps, euh, mais je vais à la Paris Games Week, samedi et dimanche. Donc euh, je serai pas tout seul, je serai avec euh, Lilou et d'autres personnes de HU Games, je serai aussi avec euh, stord et Edge of Noobs probablement, et, euh, et d'autres YouTubers. Euh, donc euh, ça serait marrant qu'on se croise. Malheureusement, j'ai pas vraiment de programme euh, ou organisé quoi que ce soit pour l'instant. Je ne sais pas où je serai quand. Euh, quoi qu'il en soit, je serai là samedi à dimanche. Euh, presque toute la journée normalement. En tout cas, samedi, je ferai euh, le, le début et la fin. Euh, restez sur le Twitter de HUVids. Tout simplement, euh, je tweeterai régulièrement où je suis pour essayer de se croiser, où on verra peut-être que euh, j'aurais fait du repérage le samedi, le dimanche, euh, enfin le samedi soir, je proposerai qu'on se retrouve à une heure fixe le dimanche à un endroit précis. Euh, ça pourrait être super marrant de tous se rencontrer depuis le temps que vous euh, regardez ma tête et que moi je ne vois pas la vôtre, comme ça je pourrais aussi me moquer de vos tics et de vos réflexes un peu débiles. <laughs> Euh, D'ailleurs, la grande question, c'est, y aura-t-il la Reine Annette à la Paris Games Week Il me semble que non, mais ça serait marrant qu'il y ait, parce qu'on pourrait se donner rendez-vous sur le stand de Guild Wars 2, ça serait trop la classe. Euh, donc voilà pour la Paris Games Week, et non, je ne serai pas en cosplay, puisque je sais qu'il y en a déjà qui, qui se posent la question. Non, je ne fais pas du cosplay. Ah, non, 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 non il ne fait pas du cosplay, je synthèse. Non, non, non. Euh, ensuite, bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 1000 abonnés, du 2000 à 3000 mais Il s'est passé plein de choses. J'ai commencé par arrêter de faire du Guild Wars 2, parce que le jeu m'a saoulé, tout simplement. Et euh, mais bonne nouvelle pour vous C'est que je suis en train de reprendre Guild Wars 2 Mais sérieusement euh, pour, bon Le problème c'est que j'ai pas le temps de jouer en général Mais euh, dès que j'ai le temps de jouer je fais du Guild Wars 2 euh, Pour une bonne raison c'est qu'ils ont en, en train de rajouter Plein de trucs qui manquaient Donc ils vont rajouter un, Une espèce de, de champ de bataille alternatif Au MCM pour qu'on puisse taguer en MCM Sans attendre que mort morts s'en suivent euh, Les arènes custom PVP J'en ai offert une à la Guilde Edge of Noobs Récemment on a joué un peu dessus C'est super tripant T'entends plus que le PvP devient vraiment vraiment intéressant, les nouvelles arènes sont très sympas, euh, le système de ladder et de match est, est intéressant aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, donc euh, je reprends Guild Wars 2, c'est officiel. Enfin pour l'instant, hein, peut-être que j'en prendrai qu'un mois, mais je pense pas, non. Je suis pas pas mal dedans, je suis en train de farmer mon arme élevée, donc j'en ai pour un moment. Euh, et donc le retour des vidéos de Guild Wars 2, bien évidemment, mais pendant les 1000 abonnés, je n'ai quasiment pas fait de Guild Wars 2 du tout. Et oui, j'ai papillonné un peu à droite, à gauche, euh, parce que sortir d'un bon jeu comme Guild Wars 2 euh, pour aller tomber dans autre chose, bah c'était pas évident. Euh, de tête j'ai fait pas mal de petits jeux indés, comme j'ai toujours fait d'ailleurs, sauf que là c'était plus sérieux, c'était de la présentation, etc. Euh, j'ai fait des petits mods Half-Life 2. Hein, euh, Nightmare House 2 et ce genre de choses. J'ai fait un, du Rift Online. Je me suis jeté euh, tête baissée dans Rift Online. En deux semaines, j'ai monté quasiment level max. Et d'un seul coup, il euh, y avait tout le monde qui était motivé. D'un seul coup, on s'est tous démotivés pour le jeu. On sait pas pourquoi. Euh, mais euh, j'ai vu qu'il y a pas mal de vous abonnés qui euh, qui continuaient de jouer au jeu. Mais il est vraiment bien, franchement Rift. Je sais pas pourquoi j'ai pas accroché avec. Et, mais bon, en même temps, euh, on a accroché avec Rift. Et puis il y a FF14 qui est arrivé. FF14 qui était absolument génial, qui est toujours d'ailleurs génial, euh, que j'ai bien cramé puisque j'ai un level 50 euh, dans un job, j'ai aussi un level 50 en herboriste. Euh, maintenant, le problème de FF14 en ce moment, c'est euh, que j'ai pas beaucoup de temps pour jouer, et FF14 c'est un MMO standard, donc si vous passez pas une à deux heures par jour sur le jeu au moins, euh, vous en profitez pas du tout, et vous avancez pas, et c'est vite gavant, malheureusement. Donc pour l'instant, FF14, c'est un peu en stand-by. J'espère que d'ici 4 mois, quand j'aurai fini mon stage, j'aurai plus une vie. Et pour l'instant, pour vous donner une idée, hein, je commence souvent le travail à 9h30 du matin. Et je finis souvent le travail... Enfin, je pars de chez moi, il est 8h du matin, et je rentre chez moi le soir, il est 21h. Voilà. Donc euh, le temps de manger, de faire ce que j'ai à faire dans ma vie RL, et de me brancher sur un jeu, bah, il est minuit, je me couche et je me relève le lendemain. Voilà. Mais trop boulot dodo comme on dit. Mais ça m'empêche pas de faire des vidéos le week-end. Euh, donc voilà, et puis en finale, bah, je suis revenu progressivement sur Guild Wars 2 et sur League of Legends, puisqu'en fait j'ai toujours joué, en fait j'ai beaucoup joué à League of Legends quand il est passé de la bêta à la version finale. A l'époque, c'était un jeu qui n'était pas plus connu que ça. Après, quand la communauté s'est dégradée, qu'on était envahi par les trolls, les abrutis hein, en chaîne, ça m'a gavé. Je suis parti sur Dota 2 qui commençait en bêta. Euh, et puis là, je reviens sur League of Legends parce que j'ai trouvé des, des bons potes, bah, des gens de HU Games, hein, euh, avec qui jouer. Et on se tape des bonnes barres. En plus, j'ai fait de la ranked. Apparemment, je suis pas si pourri que ça, alors que je pensais que j'étais une grosse brelle. Donc, euh, donc voilà, je fais du League of Legends de temps en temps quand j'ai le temps. Euh, et puis je reviens avec Guild Wars 2, voilà, on en est là. Donc euh, me demandez pas le programme de la chaîne, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je vais continuer petit à petit de faire les vidéos présentations des youtubeurs, ouais, J'appelle ça les shoutouts, outs Donc euh, là, au moment où je tourne cette vidéo, j'en ai déjà fait une pour Oxylac, qui est quelqu'un de très sympa qui faisait du Minecraft. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Euh, celle de cet après-midi, donc vous verrez avant de voir la vidéo que je suis en train de tourner maintenant, euh, ça, sera su... ça sera pour Taren. Qui est le graphiste de la chaîne. Et je continue, je compte continuer comme ça. Surtout ce qui est vraiment sympa. C'est que j'ai toujours du mal à trouver des chaînes. Pas des super chaînes méga connues à 150 000 abonnés. Qui font... Spécialement des trucs super chouettes, en général ils font du Call of Duty où ils ont été les premiers à faire du Minecraft, tout ce genre de choses. Il y a quelques exceptions, heureusement, mais, euh, mais dans l'absolu ça casse pas trois pattes à un canard euh, et en général c'est pas très créatif étant donné que maintenant les grosses chaînes ont la mauvaise habitude de pomper littéralement ce qui se fait chez les américains, alias PewDiePie. Donc on a énormément de chaînes qui ne font plus que les jeux que fait PewDiePie. Donc euh, je sais pas, euh, si vous avez les mêmes goûts, tu dis pas, ce qui est très probable parce qu'il joue jouent pas à des jeux de merde, c'est bien. Mais euh, c'est aussi bien des fois d'essayer de chercher un truc euh, un peu original, je sais pas, genre Guild Wars 2 par exemple, je dis pas, il y en a jamais fait. Hein, et pourtant, c'était un jeu qui était très sympa, il y avait énormément de vidéos à faire dessus. Il y en a encore plein, d'ailleurs j'en fais toujours plein maintenant. Euh, voilà. Après, des jeux comme League of Legends, c'est particulier parce que c'est des jeux sur lesquels on peut jouer à euh, Advitam Eternam. Je ferais bien une vidéo Starcraft 2 pour rigoler un jour, mais je suis pareil, je suis vraiment une grosse merde. Donc... Euh... Enfin bon, quoi qu'il en soit, j'ai découvert plein de chaînes grâce à vous. Des chaînes sympas, qui n'ont pas énormément d'abonnés et qui font des trucs super chouettes. Alors c'est sûr qu'ils ont pas le matos d'un mec qui a 150 000 abonnés, mais euh, mais ils se motivent et ils se cassent le cul et finalement ils arrivent à faire des trucs vachement bien, vachement originaux. J'ai même découvert une chaîne qui fait du visual novel comme moi, sur If my Had Wings, que là par contre je vous assure je la continue. Il y aurait même 10 mecs qui voient le... qui regarderaient les vidéos, je les ferai quand même parce que c'est trop bien comme jeu. Euh, donc voilà. Voilà ce qui s'est passé entre les 2000 et les 3000. Alors là, euh, j'espère euh, pouvoir euh, accélérer un peu le, le rythme des abonnements parce qu'on a eu vraiment un creux. En gros, le jour où j'ai arrêté officiellement de faire du Guild Wars 2, on a divisé par 3 le nombre d'abonnés par jour et de vues. Voilà. Mais, euh, mais bon, en remettant dans Guild Wars 2, j'espère que ça vous plaira et que vous reviendrez parce que là, j'ai l'impression que pour l'instant, il euh, n'y a pas encore tout le monde qui a, qui a compris que je me remettais à Guild Wars 2. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Un autre truc important. Ah, attention, ne, ne coupe pas la vidéo. Il y a encore quelque chose qui se passe après. Ah ouais. Je sais, c'est long. J'aime bien parler. Je suis bavard. Ha. Donc, un autre truc qui m'occupe énormément en ce moment, depuis à peu près trois semaines, un mois, c'est HU Games. Alors, pour ceux qui connaissent pas HU Games, pour ceux qui tombent peut-être sur cette vidéo comme la première vidéo de... HU oui, j'arrête pas de mélanger entre HU et Huvids, j'ai Donc HU c'est quoi En fait, HU c'est la communauté multigaming de HUVIDS. Oui. Alors pour la petite histoire, il était une belle époque où Virtual Synthèse faisait des vidéos sur Guild Wars 2, c'est avec sa chaîne HUVIDS. Mais il a remarqué qu'il y avait beaucoup, 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 beaucoup de gens qui demandaient à rejoindre sa guilde. Bah ouais, c'est vrai que quand on regarde les vidéos d'un mec, c'est sympa de jouer avec lui aussi. Et, euh, et je me suis dit bah tiens si on ouvrait un truc pour euh, qu'on se retrouve et qu'on s'organise et comme j'avais un peu d'expérience dans les guilds je me suis dit il faut ouvrir un forum et puis comme je suis un peu un fan de, des sites internet j'ai toujours été un blogueur j'adore ça même si là j'ai plus trop le temps je fais que des vidéos euh, donc j'ai ouvert un site et un forum et ça a été de la bricole pendant un an. Euh, et le but, voilà, c'était au début, c'est juste de proposer un, un, un site pour faire de l'information sur la guilde et un forum pour que les gens discutent entre eux. Et ça s'est bien passé, puisque maintenant, la communauté, de fil en aiguille, on a atteint les 300 et quelques membres actifs tous les jours. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui? Hein, je vais pas vous faire tout l'historique d'Huguin, c'est long. Euh, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, il y a un site. En plusieurs morceaux, donc il y a un site HU Games qu'on appelle le HUGames.com, qui est le site de page d'accueil d'informations qui n'est pas autour de ma chaîne, mais autour de la communauté uniquement, hein, ma chaîne est au même rang que les autres, euh, qui donne des petites infos, des petites bidouilles, etc. Et on a des sites spécialisés, donc on a un site Guild Wars 2, un FF14, très prochainement un site Minecraft et bien d'autres, ça dépendra de vous. Euh, qui parle généralement de la guilde, de la communauté sur un jeu en particulier, et qui propose des guides, parce que je fais des guides en vidéo, mais j'ai pas le temps de tout couvrir, et on a des membres super motivés qui vont aller faire des screenshots de partout pour proposer des guides de qualité. Euh, donc voilà, on a un forum, on discute pas mal, et on a aussi un TeamSpeak, voilà, qui est, qui est chez nous, qui est sur notre serveur, donc quand il y a des problèmes, des gros problèmes sur le serveur, ça arrive, bah, des fois ça débranche tout le monde, c'est super. Euh, maintenant, comment ça fonctionne HU Games, c'est quoi l'objectif Parce que vous me dites oui, une communauté multigaming, il y en a déjà plein. Bah, L'idée en fait c'est que je fais beaucoup de jeux multijoueurs où en général il y a des fortes communautés, et c'est sympa. Quand on a fondé Hugames, Games, on a réussi à avoir une super bonne ambiance tout de suite, et c'est quelque chose qu'on n'a pas spécialement partout. Euh, disons que l'objectif chez nous, c'était de s'amuser en groupe d'être nombreux et de se taper des barres, surtout sur le TeamSpeak, euh, sans se prendre la tête avec les histoires de HL, de, de compétition, etc. Euh, et ça, ça a bien marché, parce que franchement, il y a des, des, des affinités qui se créent, on a même des couples pas mal qui se sont créés sur le, la communauté HU Games, des gens qui maintenant sont en couple depuis près d'un an. Euh, donc c'était super sympa, et on s'est dit, euh, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour faire durer la communauté, et moi j'ai proposé l'idée toute bête, c'est que, à l'époque on était encore que sur Guild Wars 2, hein, c'est qu'on va euh, essayer de s'étaler un peu sur tous les jeux, pas spécialement pour faire de la compète, encore une fois, mais juste parce qu'on a une bonne ambiance. En général, comme moi j'ai tendance, quand c'est un jeu qui me gave, à aller jouer à plein d'autres jeux. Euh, et bien je me dis allons jouer sur un autre jeu on va te rencontrer une nouvelle personne ce qui s'est toujours bien passé, on en a rencontré sur Rift, sur Ragnarok Online et ainsi de suite euh, et gardons ces communautés actives euh, en leur proposant voilà, plein de trucs, donc on leur propose on a un Chan Teamspeak, ils peuvent être administrateurs de leur Chan, on leur propose un forum, un site, on leur propose tout ce qu'il faut. Et, euh, et ça marche plutôt bien, puisque maintenant on a des communautés actives sur League of Legends, sur Guild Wars 2, sur FF14, sur Minecraft, mais pour l'instant c'est un, un peu secret. Euh, et on a potentiellement quelque chose qui est en train de se créer sur Rift, parce qu'en fait moi j'ai lâché le jeu d'un seul coup et euh, je pensais pas qu'il y avait des gens qui étaient restés dessus, et en fait il y en a plein qui faisaient Eh hey, vous êtes tous les mecs Eh hey, je suis dans la guilde moi il y a personne, je passe quoi donc, euh, donc voilà. Et euh, l'idée, c'est que c'est participatif. Donc en gros, euh, c'est pas fermé. Euh, n'importe qui, d'ailleurs, c'est souvent comme ça, n'importe qui peut devenir euh, administrateur du forum, rédacteur sur le site, même euh, rédacteur en chef de certains sites. Par exemple, on a une, une grosse équipe de rédacteurs sur le site Guild Wars 2, qui d'ailleurs travaille d'arrache-pied depuis trois semaines. Donc, euh, ils ont besoin de bras. Donc, si vous, avez, si vous avez envie de rédiger pour un site qui fait pas mal de, pas mal de trafic maintenant, euh, n'hésitez pas à leur, leur proposer un coup de main. Ils sont toujours preneurs. Euh, sur FF14, on a aussi une équipe qui est en train de se, se reconstruire après un moment de, de flottement. Euh, donc, voilà. HU c'est le projet sur lequel je bosse en moment. Tout simplement parce que, bah voilà, on est en train de préparer un projet sur Minecraft. Donc, je vous laisse deviner ce que c'est. Euh, ça prend vachement de temps. On essaye de vraiment proposer quelque chose de super carré. Euh, même en termes de site, donc on est en train de créer un design nous-mêmes entièrement, on a des développeurs, on a des graphistes, on a des, des virtual synthèses qui font un peu tout, etc. Et euh, d'ailleurs au passage, si vous êtes n'importe quoi, rédacteur, graphiste, vous faites un peu de community management, mais je parle pas de professionnels, je parle de gens qui savent faire ce qu'ils font. Notre graphiste, il a 17 ans, c'est à rennes et, euh, et pourtant... Euh, il nous fait des trucs euh, sont, sont super bien. Donc euh, on s'en fout euh, de, de vos diplômes, etc. On n'est pas, pas IRL. Nous, on demande juste à des gens d'être motivés et de faire des choses. Quoi. De toute façon, on les encadre. Donc si vous ne savez pas trop comment faire, mais que vous voulez faire et que vous avez la capacité de le faire, il euh, y a des gens qui vont s'occuper et vous expliquer comment le faire et vous aider à vous améliorer. Voilà. Euh, donc ça c'est HU Games et ça se développe super bien en ce moment puisque la communauté est en train là on est en train de s'organiser pour facilement que des personnes qui sont sur des jeux en particulier euh, qui aiment bien l'ambiance HU Games et qui aimeraient bien qu'HU Games soit sur un jeu spécial. Je sais qu'il y a... En ce moment on discute pas mal sur Rift, parce que Rift Online, en free-to-play, c'est juste une grosse tuerie et il y a énormément de gens dessus. Euh, mais nous on a planté le jeu d'un coup et il n'y a rien qui s'est derrière. Donc Rift, on est en train de travailler dessus, peut-être un peut-être un site. Donc si par exemple vous, avez, vous êtes un blogueur, on ne sait pas, ou même vous avez envie de gérer un site, vous l'avez déjà fait sur Rift Online, bah contactez-moi, euh, on en discutera. On, on a besoin aussi d'un GM sur Rift. Donc si vous êtes GM sur Rift, nous on était sur Bristol de tête, donc euh, n'hésitez pas à me contacter. Euh, on a aussi du Dragon's Prophet aussi pas mal. Ça, ça discute un petit peu en ce moment de Dragon's Prophet parce que pareil, le jeu prend de l'ampleur, on a du Firefall également qu'on a complètement décroché du jeu parce que manque de temps mais, euh, mais qui est vachement bien qui a vachement bien évolué je suis passé dessus il n'y a pas longtemps donc là pareil hein, vous on est ouvert à tout le monde donc venez venez sur le forum venez sur le TeamSpeak discutez avec nous discutez avec moi même si je ne suis pas souvent là et, euh, et voilà on vous lâchera les rênes on vous donnera la possibilité de faire des trucs super bien que vous ne feriez jamais tout seul et en plus vous serez entouré de plein de gens qui ont plein de compétences et c'est ça que je trouve juste génial c'est qu'on a Plein de gens qui sont compétents quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau d'études, dans plein de domaines, et de mettre tout ce monde ensemble sur HU Games, que ça soit au niveau du jeu, hein, pour euh, gérer les guilds, on a beaucoup de gens qui sont hyper motivés, qui proposent des choses super novatrices et intéressantes, qui permettent de bien dynamiser les guilds, de faire de, de proposer des choses originales à faire. Et on a aussi, pour la partie technique de HU Games, on appelle ça le projet HU Games chez nous, euh, on a plein de gens qui font des trucs trop bien, alors que c'est pas leur métier. Et que même les professionnels, des fois, on a certains webmasters et tout qui viennent nous contacter. Euh, vous voulez faire un site pour moi Vous êtes des professionnels, non Ah non, on n'est pas professionnels, monsieur, on fait ça pour le plaisir. Hmm. Donc, euh, donc voilà, c'est HU Games, c'est juste génial. Et ça me prend beaucoup de temps en ce moment, mais ça va se calmer un peu d'ici 2-3 semaines, une fois qu'on est bien, bien calé. Donc euh, n'hésitez pas. Si vous avez envie de proposer quoi que ce soit, mais dans l'absolu, nous, ce qu'on proposera, ça sera soit de rallier votre guilde, ou de créer une guilde sur un jeu en particulier et De la gérer, euh, soit de généralement d'ouvrir un site, mais ça faut qu'il y ait déjà la guilde sur le jeu. D'ouvrir un site euh, de fans, un site spécialisé sur, euh, sur un jeu. Donc là, pour les médias, je pense à Rift, Dragon's Prophet et éventuellement euh, League of Legends. Ouais, on a besoin aussi pour League of Legends parce que c'est facile de jouer au jeu, mais c'est plus compliqué d'avoir quelque chose à dire sur ce jeu là, vu que les gens en ont déjà énormément parlé. Donc voilà, c'était le projet HU Game, C'est un peu la, la, le projet de ma vie en ce moment et le projet de la vie de beaucoup de monde. Il faut savoir que pour une, pour vous donner une idée, donc dans la communauté, en actif, on est 300 à peu près, sachant qu'on n'est pas tous sur TeamSpeak. C'est difficile de nous compter, mais on a 150 personnes sur Guild Wars 2, une centaine de personnes sur FF14, on a une trentaine sur Rift, on a une trente-quarantaine sur Minecraft, et on doit avoir de l'ordre du. Euh, sur League of Legends, on a une cinquantaine, soixantaine de personnes. On a aussi du, DRA, du Diablo 3, etc. On a un peu de tout. On a des gens qui jouent qu en solo, qui viennent juste là pour discuter. C'est toujours marrant. Euh, mais pour le, la team HU Games, ce qu'on appelle la team HU Games, c'est l'équipe qui s'occupe du développement. Donc c'est les gens qui ne font pas que jouer. C'est aussi des gens qui font des trucs super de de couilles. Hein pas toujours marrant. Euh, la team HU Games, on est 35-40. Euh, donc si vous voyez un peu ce que c'est qu'une équipe de site web, 35-40 personnes, c'est vachement. Sachant que c'est des personnes qui, pour certaines, quand il y a vraiment besoin, euh, des fois, pendant une semaine, elles vont passer leur nuit entière à bosser sur HU Games pour faire avancer le truc. Parce que c'est passionnant, franchement. Donc, euh, voilà, encore une fois, si vous avez des, des choses à proposer ou à demander n'importe quoi, vous pouvez me contacter via ma chaîne, vous pouvez me contacter par plein de moyens. Vous allez sur le site HUGames.com, il y a des formulaires de contact. Donc contactez-moi, proposez-moi des choses, posez-moi des questions, je suis là pour ça. Ça me fait plaisir. Et plus on sera nombreux à bosser sur le projet Games, et plus ça sera chouette. Et plus on va s'amuser. Et plus ça va être trop bien, et ça va être trop cool. Et plus on est nombreux, plus on ira vite aussi. Ça aide un peu. Et on en arrive à la dernière partie, je reprends mon post-it. <laughs> Donc, moi ce que je vous propose pour fêter les 3 limites. Ah bon voilà. Euh, ce que je vous propose pour les 3000 abonnés. Euh, C'est un petit match SPVP de fans. Hmm, ça vous intéresse, hein. En sachant que je suis une bite en PvP sur Guild Wars 2. Et qu'en plus ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Enfin là j'en ai fait maintenant depuis une semaine, mais je suis vraiment un galérien. C'est une catastrophe. Mais attention! Parce que dans HG Games, on a des mecs qui sont super balèzes en SPVP, et je me suis fait une équipe de. une dream team de malades. Euh, donc moi, je vous propose un match des fans, tout simplement. Ça va être super marrant. En plus, j'ai jamais eu l'occasion d'organiser des gros trucs euh, avec vous. Enfin là, ça va être contre vous. Parce que je ne veux vous pas avec moi. Je prendrai mon équipe à moi qui défonge tout. Hein, puis je vais me faire PL, puis vous, vous allez vous faire ruiner. Non, j'en sais rien en fait. Hein, si vous, je suis sûr qu'il y a des gens super forts en PVP. Vas-y, tape le micro, toi! Je suis sûr qu'il y a des gens très très forts au PVP sur euh, qui regardent mes vidéos et on va se faire trouver Enfin, c'est ce qu'on a peur parce que les autres là, pendant que je fais mes vidéos, eux, ils sont en train de s'entraîner comme des malades. Euh, donc le match PVP, comment ça se passe Ça va être très très simple, enfin j'espère. Vous notez votre pseudonyme de compte euh, ou de perso, un truc pour que je vous retrouve dans le jeu en fait, euh, en commentaire. Euh, donc vous pouvez vous inscrire seul, vous pouvez vous inscrire avec une équipe toute prête. Dans ce cas-là, il faut le pseudo de tous les gens et le nom d'une team. Et ce qu'on fera, euh, c'est. Alors ça sera pas la semaine prochaine, ce sera pas le week-end prochain parce qu'elle apparaît Games Week, mais ça sera dans deux semaines. Euh, ça sera le samedi après-midi. et oui. Ça sera le samedi après-midi, et donc on va. Il euh... faudra être connecté simplement. Je vous préciserai l'horaire, donc euh, dans la description de la vidéo sûrement. Euh, je le préciserai sur Twitter, mais pour l'instant on part sur 14h. Ok donc à 14h de samedi dans deux semaines, euh, vous vous connectez, et je vous whisperai. Et on fera un match. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai pas envie de me prendre la tête avec une histoire de ladder de ranking, parce que le but c'est juste de jouer contre vous sur une partie ou deux. Euh, donc on a une arène PVP à nous. Donc euh, on vous filera, je vous whisperai justement le mot de passe. Et puis vous reviendrez, vous on lancera une game et on filmera. Et vous serez dans HUVITS et vous serez peut-être en train de défoncer Virtual Synthèse dans HUVITS. Et c'est la classe. Voilà. Attends, je vous préviens. Je vais jouer gardien, <laughs> et je vais me mettre loin, et comme ça vous allez me chercher, pendant que mes potes y feront les points. Donc voilà, euh, malheureusement, je me suis un peu arrangé euh, avec Guild Wars 2, je n'ai aucun truc à vous faire gagner, et oui, parce que je ne sais pas pourquoi, ArenaNet ne m'aime pas. Voilà, j'ai fait que 90 vidéos sur leur jeu. c'est vrai que j'ai un sens critique, on appelle ça de la critique constructive, parce que ce que je critique sur Guild Wars 2, je ne dis pas « ce jeu est pourri », je, je l'ai expliqué longuement et d'ailleurs, la preuve que j'avais raison puisqu'ils sont en train de corriger les trucs que je trouvais pourris. En dehors du PvEHL, mais pour le reste, ils sont en train de travailler vachement dessus. Donc j'avais des bonnes idées. Mais je pense qu'ils ne m'aiment pas parce qu'ils ont quand même, à une époque, faut le dire, euh, ils ont envoyé des cadeaux à des youtubers, euh, mais pas moi. Voilà. Donc, euh, Arenanette, ah, si tu regardes encore mes vidéos, parce que je sais que tu regardes mes vidéos, sinon tu m'aurais tu envoyé le cadeau, si tu n'avais pas regardé mes vidéos et seulement mes vues et mes abonnés. Euh, je, je ne suis pas méchant, hein, et ça me fait plaisir aussi quand je me casse le cul à travailler euh, des, du contenu sur un jeu en particulier. Euh, ça fait toujours plaisir d'être récompensé par l'éditeur, parce que c'est de la pub gratuite, hein, disons-le bien, c'est de la pub gratuite. Donc ça fait toujours plaisir quand on nous remercie, hein, une entreprise qui fait de l'argent, hein, nous, euh, je vous rappelle. Euh, nous youtubeurs, ne faisons pas vraiment beaucoup d'argent. Pas avant d'avoir 50 000 abonnés. Eh ouais <laughs> euh, donc, euh, donc voilà, ça me fait toujours plaisir si vous m'envoyez les cadeaux. Parce que la montre collector que euh, certains youtubeurs ont reçue, euh, moi j'aurais bien aimé la voir. Voilà. Si ça, ça m'aurait fait plaisir. <laughs> donc à un bon entendeur, euh, salut donc, euh, donc voilà, bah pour le match des femmes, hein, des femmes. Le match des femmes non ah. Le match des fans. Donc, euh, est-ce qu'on fera peut-être, si le match des fans sur Guild Wars 2 se passe bien, on en fera peut-être de temps en temps. Donc pour ça, il bah, faudra suivre le forum ou l'actu, je ne sais pas encore comment je communiquerai, mais si vous me suivez sur Twitter, vous passerez pas à côté. Euh, le match des fans, et peut-être qu'on fera un match des fans sur League of Legends, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé, qui auraient voulu jouer contre moi. Alors là, pour le coup, les mecs, vous avez intérêt à super malais parce que j'ai des Diamonds dans chez Games qui vont venir jouer avec moi. Donc je risquais de vous faire retourner royalement, mais on verra peut-être s'il y a vraiment des déséquilibre et qu'on vous retourne littéralement, et ça va pas être marrant pour personne, euh, on verra peut-être pour tourner, euh, quitte à ce que je prenne euh, des fans avec moi, et des fans contre moi. Ça risque d'être euh, très violent. Voilà. <laughs> euh, donc voilà, et puis c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le moment. Il faut que je vous montre, j'ai une nouvelle souris qui fait de la lumière. Voilà. <laughs> et donc et ben merci toujours d'être encore plus nombreux à suivre les vidéos sur HUVIDS, euh, n'hésitez pas à rejoindre la communauté multigaming Games qui bouge beaucoup en ce moment que vous soyez joueur ou non on a même des gens qui jouent pas, qui font que la rédaction sur H Games. il y en a des comme ça euh, et puis bah, vous abonnez à la chaîne, partagez cette vidéo sur Twitter et sur Facebook, ça fait toujours plaisir et ah petite chose enfin je vous propose pas de FAQ mais si vous avez des questions, eh ben vous me les posez et eh bien je répondrai dans une vidéo. Voilà, on va faire comme ça. Allez, à très bientôt. Salut.